Leïla Oulage, qui vient nous parler ce matin de l'économie sociale, mais dans le contexte mexicain. Alors, Leïla est de l'Université ibéro-américaine et plus précisément du Centre international de recherche sur l'économie sociale et solidaire au Mexique. Donc, je l'accueille très chaleureusement. Merci beaucoup, Leïla, et bonne présentation. Merci. Merci. Donc, l'exposé porte sur l'économie sociale et solidaire au Mexique en partant du constat qu'il est nécessaire de réaliser une révision historique pour comprendre ses principaux défis de nos jours. Donc, on a eu une très belle introduction entre la visite d'hier et l'exposé de ce matin de Nancy. Donc, je pense que ça va faciliter. N'hésitez pas à poser vos questions. Cette intervention se concentrera donc sur le Mexique, qui se situe dans un contexte de mécontentement politique, de décomposition sociale, en plus d'être encore et toujours marqué par de profondes inégalités. Ainsi, et comme l'a aussi précisé Nancy ce matin, dans un contexte international marqué par une succession de différentes crises, tant au niveau du Mexique comme d'autres pays, on a pu observer un intérêt croissant envers l'économie sociale et solidaire et ses différentes pratiques qui représentent une véritable forme de lutter pour maintenir et ou rétablir une dignité de vie. Il est aussi chaque fois plus présent au niveau des organismes internationaux, au niveau de l'Organisation des Nations Unies ou de l'OIT par exemple. Je ne vais pas l'approfondir non plus puisque le thème a déjà été mentionné ce matin. Cet exposé visera à montrer comment certaines pratiques à caractère économique, voire dans certains cas financiers, sont insérées dans un ensemble socioculturel déterminé. Ceci nous permettra de mettre en avant comment ces pratiques sont véritablement encastrées dans une réalité historique et hétérogène. Cette capacité des acteurs à s'adapter ou à résister selon les contextes est un aspect qui devra être démontré afin d'insister sur le fait qu'ils ne subissent pas, mais qu'ils sont bien acteurs de leur développement. La structure de l'exposé est la suivante. Je vais quand même vous présenter de manière très brève le contexte actuel du Mexique, pour ensuite passer à une révision théorique du concept de l'économie populaire en l'illustrant par deux cas au niveau mexicain. Donc, dans une troisième partie, je vous présenterai le concept d'économie sociale et solidaire et je vous donnerai trois illustrations précises. Et ensuite, je vais vous mentionner deux des défis actuels de l'économie sociale et solidaire dans ce pays. Alors, le Mexique est divisé en 31 États et un district fédéral qui comprend la capitale du pays et comptait à la fin de l'année 2014 119 715 000 personnes. Alors, on va se pencher sur l'indice de développement humain, donc, qui est un indice du programme des Nations Unies pour le développement et qui est construit sur base de trois dimensions. D'abord, la santé, qui est mesurée par l'espérance de vie à la naissance. La deuxième dimension, l'éducation, qui est mesurée par la durée moyenne de scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. Et la troisième dimension, posséder des revenus suffisants pour accéder à un niveau de vie décent. L'indice de développement humain a une valeur qui est toujours comprise entre 0 et 1. En 2013, l'indice du développement humain au Mexique était de 0,756, c'est-à-dire un développement humain élevé, et le pays se trouve ainsi au niveau mondial à la position 71 sur un total de 187 pays dans le classement du programme des Nations Unies pour le développement. Il est important de préciser et relativiser ce résultat au niveau national, vu que près de la moitié de la population vit dans des entités fédératives avec un indice de développement faible ou moyen. Donc on a ici cette première partie du graphique qui nous montre 16 entités fédératives qui ont un développement humain bas. Le plus bas est celui de Chiapas, suivi par Guerrero et Oaxaca. Et à l'extrême opposé, on a le district fédéral qui est l'entité avec l'indice de développement humain très élevé. Donc ce graphique nous montre vraiment une première image des inégalités qu'on peut retrouver dans ce pays. La dimension la plus basse de l'indice de développement humain est l'éducation. Et on trouve dans quatre États du Mexique, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León et Nayarit, dans le dernier rapport du développement humain au Mexique sur les entités fédératives, on observe dans ces quatre États une diminution de l'espérance de vie.
Alors, comme le dit Rodolfo Della Torre, qui est le coordinateur du Bureau de recherche en développement humain au Mexique des Nations Unies, ces diminutions de l'espérance de vie n'arrivent que dans deux situations, ou celle de guerre civile ou celle d'épidémie. Or, il faut savoir que c'est dans ces quatre États qui ont été le plus touchés par la stratégie qui a été mise en place par Felipe Calderón, qui a été le président au Mexique entre 2006 et 2011, dans sa lutte contre les trafiquants de drogue. Avec plus de 23 000 personnes portées disparues durant les 17 dernières années, 7 000 plaintes pour torture et seulement 7 condamnations au niveau fédéral, le Mexique a une déficience structurelle quant à l'impartition de justice et quant à la sécurité. Dans un contexte d'insécurité et de combat au trafic de drogue, la violence s'ajoute à la corruption et au manque de transparence. Il n'est donc pas étonnant d'observer dans le rapport Freedom in the World 2015 que le Mexique est qualifié de pays partiellement libre. Au niveau social, et pour reprendre les données du CONEVAL, c'est-à-dire du Conseil national d'évaluation de la politique du développement social, le pays compte 53,3 millions de personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté, 11,5 millions qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, et on peut y ajouter 40,7 millions de personnes qui souffrent de conditions de vulnérabilité. On a donc un total de 105,5 millions de personnes sur les 119 millions que je vous ai mentionnés au début qui souffrent d'une certaine carence. Ces chiffres datent de 2012. Les données actualisées seront rendues publiques dans les prochaines semaines et on s'attend déjà à une augmentation du nombre de personnes pauvres pour les différents chercheurs qu'on connaît et qui ont été mis dans l'évaluation de ces derniers rapports. Donc il faudra être attentive vers le mois de juillet. Nous aurons les données pour cette année. Au niveau économique, le pays est inséré dans la dynamique de l'Amérique latine et a commencé une étape marquée par un nouveau scénario économique pour reprendre le constat de la CEPAL de cette année, lequel est caractérisé par une croissance modeste, un ralentissement économique et une perte de dynamisme du marché du travail, en plus de compter avec les salaires minimums les plus bas au niveau de la région. Au niveau politique, en 2015, donc cette année a été cruciale vu les élections qui ont eu lieu dernièrement le 7 juin, et qui ont permis la rénovation des 500 sièges de la Chambre des députés, l'élection de plus de 1000 maires dans 17 États et 9 gouverneurs. Après plus de 2 ans et demi du gouvernement actuel au pouvoir, et pour résumer la situation dans laquelle se trouve le pays, je reprendrai les mots d'Arturo Ramos. La situation est celle de la répression d'un gouvernement éloigné de l'État de droit. Alors, face à ce contexte, nous nous intéressons à mettre en avant les alternatives qui se sont développées dans ce pays au fil des années et qui permettent de comprendre les pratiques de l'économie sociale et solidaire au Mexique. La littérature fait souvent référence à ce concept pour désigner les expériences qui surgissent dans les années 80, voire 90, face aux différentes crises. Cependant, nous considérons fondamental de comprendre que souvent ces expériences ont pour base des pratiques populaires de petite production, plus connue sous le nom d'économie populaire, et c'est le cas entre autres du Mexique. Nous allons donc commencer par exposer ce concept d'économie populaire. Il s'agit avant tout d'une tentative de se concentrer sur les acteurs sociaux et sur leurs pratiques pour satisfaire leurs besoins. Un autre concept utilisé pour les désigner est celui d'approche de la petite production. Il permet de se concentrer sur les acteurs et leurs pratiques, lesquelles peuvent être abordées en étudiant les ressources mobilisées, les différentes logiques articulées et les activités mises en place. Le premier élément à préciser est donc celui d'acteurs de l'économie populaire. Avant tout, soulignons que les études sur le thème ont mis en avant que les acteurs sont encastrés dans une réalité à multiples visages, économique, social, politique et culturel, et qu'il s'agit bien d'une diversité d'acteurs qui peuvent être individuels ou collectifs. Notre centre d'intérêt porte sur les acteurs collectifs. Pour autant, nous devons définir ce concept. Il s'agit d'un ensemble d'acteurs qui décident de satisfaire des besoins de base de manière collective. Il est fondamental pour ce faire que chaque acteur populaire prenne conscience qu'il se trouve face à un problème commun et que pour y faire face, ils doivent coopérer malgré leurs différences et réaliser ensemble certaines activités qui peuvent être économiques, mais pas uniquement.
L'économie populaire est ainsi constituée aux côtés de personnes ou de familles par des formes associatives, par des groupes lesquels sont nommés organisations économiques populaires. Ces formes associatives ou groupales organisent des activités productives, commerciales et de services dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Il ressort deux points intéressants de ce que nous venons de mentionner. Tout d'abord les objectifs et ensuite les modes d'organisation. Au niveau des objectifs, ceux-ci consistent à faire face à un problème de subsistance et à chercher à satisfaire leurs problèmes, leurs besoins de base de manière collective. Présenter ainsi l'économie populaire prend un sens particulièrement intéressant. Nous reprenons ainsi la proposition de Favreau et Fréchette pour qui ce constat implique que l'économie populaire est une véritable mobilisation sociale locale. Ensuite, au niveau des modes d'organisation, ils sont caractérisés par le fait que les personnes doivent remplir des rôles multiples, par l'absence ou le rôle secondaire du travail salarié, par la substitution de structures hiérarchiques rigides en faveur de celles de collaboration basées sur les relations familiales et l'expérience, et sur une plus grande flexibilité dans les journées de travail. Deuxième élément, les pratiques. Elles se définissent, pour reprendre un chercheur chilien, qui est même pionnier dans le thème, Luis Raceto, qui définit les pratiques comme étant des activités mises en place par un ensemble de personnes et de groupes dans le but de répondre à des besoins réels correspondants à des conditions structurelles de la société. Trois éléments permettent de préciser ces pratiques. Tout d'abord, la pluralité des logiques qui s'articulent au sein de l'économie populaire. Elle représente un élément important afin de différencier les pratiques populaires du secteur informel. En effet, celui-ci ne considère que la logique économique et de là le besoin d'être incorporé au secteur formel. Quand on évoque le terme de secteur informel, on pense souvent qu'il s'agit d'une réalité nouvelle, en fait qui daterait d'une trentaine d'années et qui ne concernerait que les pays du Sud. En effet, le terme est apparu en 1972 par Hart dans une étude qui concernait le Kenya. La constatation que de nombreux travailleurs sous-employés exerçaient des activités multiples qui leur permettraient de survivre a conduit les auteurs à s'intéresser à ces activités. Celles-ci étaient le plus souvent le fait d'une seule personne, identifiée à l'unité de production. Or, les pratiques de l'économie populaire, et pour reprendre Jean-Philippe Pémence, ont une logique économique de subsistance ou de production qui coexiste avec une logique sociale de reproduction de la position sociale et de rapports sociaux de type convivial. Cette pluralité de logiques inclut la satisfaction des besoins liés à la survie, mais également, dans certains cas, la quête d'autonomie culturelle et politique au même titre que l'exercice de la solidarité. Ensuite, au niveau des ressources, nous considérons que les ressources qui découlent de l'articulation des logiques mises en avant dans le point antérieur sont effectivement diverses. Ainsi, des ressources marchandes sont articulées aux ressources non marchandes et aux ressources volontaires. Les ressources non marchandes sont celles qui proviennent de la redistribution et les ressources volontaires sont quant à elles le résultat de la réciprocité entre les acteurs populaires. La production, la circulation et la consommation de biens et services s'articulent au sein de réseaux de réciprocité où chacun a le droit de recevoir et le devoir de donner et où tous partagent. Ces réseaux fonctionnent selon le principe de l'aide mutuelle et de la coopération. Qu'il s'agisse d'obtenir le capital nécessaire au démarrage d'une activité, des formes de recrutement, d'élargir la clientèle, les protagonistes de l'économie populaire font appel à des solidarités familiales, lignagères ou ethniques. Une partie des activités mises en place par les organisations économiques populaires peuvent être appelées pratiques populaires de petite production. Il s'agit d'activités socio-économiques inscrites dans une logique de subsistance et de rapports sociaux de réciprocité. Il peut même s'agir d'une logique de production visant à en dégager un surplus à partir non pas du capital d'un propriétaire privé, mais bien du travail fait en commun pour satisfaire les besoins de base d'une famille ou d'un petit groupe de travailleurs. Ces dynamiques s'inscrivent dans une diversité de domaines, santé, logement, mobilisation de l'épargne, production et distribution de produits agricoles et artisanaux par exemple. Je vais à présent illustrer mes propos par deux cas. Le premier, c'est un marché qui se situe au sud de la ville de Mexico.
le marché Vasco de Quiroga. Et la deuxième illustration, ce sera sur base de la ville de León et des petits producteurs d'articles de cuir et de châles. Donc, je vais commencer par le cas du marché Vasco de Quiroga à Mexico. Donc, c'est un endroit traditionnel de la ville de Mexico pour trouver un meuble, qu'on appelle également le crea. Il fait partie de la délégation de Tlalpan, donc, tout à fait au sud de la ville. Durant nos divers entretiens avec les petits producteurs, nous nous sommes rendus compte que tous provenaient de San Pedro Tultepec et que pour autant, la naissance de ces marchés était intimement liée à l'histoire de ce village qui se situe dans un état voisin de la ville de Mexico et qui fait partie du municipe de Lerma. En effet, ce sont les petits producteurs de ce village de l'état du Mexique qui ont négocié avec les autorités de la délégation de Tlalpan la création de ce marché. Essayons donc de comprendre le lien qui existe entre ces deux endroits. Donc dans ce marché, Jorge Trasloceros, qui est un historien mexicain reconnu, mentionne souvent qu'il n'y a pas une famille qui vit à Mexico qui n'a pas de meubles qui provient de ce marché. Et personne n'est au courant d'où ils viennent exactement. Donc ça a été vraiment une surprise de se rendre compte que les producteurs de ces meubles en bois ne vivaient pas là-bas et qu'ils n'étaient pas non plus originaires de la ville de Mexico. Alors, San Pedro Tultepec, donc cet autre village de l'État du Mexique, a été fondé en 1539 par Vasco de Quiroga. Il s'est construit sur l'ancienne île de Tultepec, qui est situé sur un lac formé par le fleuve Lerma. L'accès se réalisait par canoë. Les ressources naturelles du lac ont depuis toujours été la base de la survie des habitants de cet endroit. En plus de la pêche, les habitants utilisaient le toulé afin de fabriquer divers types d'artisanat. De là le nom de Tultepec, qui vient du nahuatl et qui signifie la montagne du toulé. Celui-ci constituait un des éléments de base de la production de vannerie, en particulier la confection de tapis et paniers, suivant une tradition au Mexique qui est millénaire. Un des produits les plus connus du tissage du toulé est le petate, qui apparaît sur la photo qui est actuellement projetée, qui est un espèce de tapis rectangulaire qui est toujours fort utilisé en région rurale. Ce dernier a été fondamental dans la vie quotidienne de la culture paysanne et donc des habitants de ce lac. Nous souhaitons souligner ici que toute la vie culturelle, sociale, économique et religieuse était organisée sur base de la relation des habitants avec les ressources. Donc ici, on a mon exemple du développement durable, puisque tant l'utilisation des ressources naturelles que la production d'artisanat se faisait en fonction des besoins quotidiens de la famille et de la communauté. Par la suite, entre 1350 et 1521, les habitants de cette région tissaient ces divers effets domestiques pour leur propre consommation, pour les échanger sur le marché et pour payer le tribut à l'Empire mexicain qui reposait plus surtout de la communauté, n'était donc pas une obligation individuelle. De plus, par la suite, durant la colonisation, les Espagnols n'ont pas introduit de changements technologiques dans le tissage du toulé, allant même jusqu'à conserver les noms préhispaniques des différents produits. Au niveau des modes d'organisation de la petite production à base de toulé, l'organisation de cette production est organisée sur base de la famille. Donc tous les membres y participaient. Ainsi, la commercialisation des produits était essentiellement le fait des hommes et se faisait dans les villes importantes, dont Mexico, contrairement à la vente des produits lacustres, tels que ceux obtenus de la pêche, qui était plus le fait des femmes. La famille jouait un rôle fondamental et la production d'artisanat se situait au domicile et était en lien direct avec le secteur agricole. Il faut comprendre deux chocs historiques pour comprendre la petite production de nos jours et la création de ce marché dans le sud de la ville. Un premier élément qui vint modifier la petite production et en particulier ses modes d'organisation se situe au niveau de la propriété de la terre. Depuis la moitié du XIXe siècle, il faut en effet noter des changements importants quant au régime de la propriété. La propriété privée commence à dominer la distribution des parcelles. On note ainsi le dépouillement des terres communautaires pour la période allant de 1900 à 1930. Jusqu'au XIXe siècle, le travail collectif sur les parcelles de la communauté représentait le soutien des relations de réciprocité et de la distribution équitable. Et donc, ce changement au niveau des modes de propriété va détruire les liens sociaux au niveau de la communauté.
50 ans plus tard, un deuxième élément fondamental vint perturber cette production artisanale et ainsi toute l'activité économique, sociale et culturelle de cette région. Il s'agit de la disparition du lac. Donc les autorités ont décidé d'utiliser l'eau du lac afin d'alimenter la ville de Mexico. Et ce processus date de 1942 et termina en 1970. C'est également à cette époque que le couloir industriel Lerma-Toluca, donc Toluca est la capitale de cet État qui s'appelle l'État du Mexique, et les autorités de l'époque n'ont donc pas pris en compte que ce lac en constitue un axe de développement économique et social au niveau régional durant des siècles. Le résultat de ces deux chocs est le suivant. Alors qu'il y a encore une cinquantaine d'années, il s'agissait d'une île peuplée de pêcheurs et d'artisans du Toulé. De nos jours, il ne reste plus que 10 artisans travaillant le Toulé à San Pedro Tultepec et le paysage est celui dorénavant d'une zone industrielle. Cette disparition des ressources naturelles a signifié pour les habitants de cette région la disparition des moyens de subsistance ancestraux, ayant de plus des conséquences sur l'intensité des liens sociaux, culturels et religieux des habitants de la zone qui s'aggraveront du fait de l'établissement du couloir industriel. Et c'est ici qu'apparaît aussi la ville de Mexico et le lien entre ce village et la capitale. Ainsi, un des endroits choisis pour la vente de leur artisanat était le territoire reconnu actuellement comme le sud de la ville de Mexico. Donc, c'est plus ou moins à cet endroit-ci que se situe San Pedro Tultepec. Donc, on a le district fédéral et l'État de Mexico, qui est l'État du Mexique, pour le traduire. Ils sont voisins. San Pedro Tultepec se situe plus ou moins ici et le marché se situe vraiment au sud de la ville de Mexico. Donc pour se rendre, j'ai fait une ligne, mais pour se rendre, le chemin, il faut traverser une zone un petit peu montagneuse et les habitants partaient de 3 heures du matin à pied pour arriver à cet endroit du sud de la ville et pour pouvoir y vendre leurs produits. Donc, cet endroit avait été choisi pour la vente, donc ils partaient à pied pour aller vendre leurs produits de Toulé, parce que c'est par là que passe l'autoroute qui va vers des zones plus touristiques, telles que Cuernavaca ou Acapulco. Donc, c'était l'ancienne autoroute qui menait vers les zones touristiques, donc c'était un excellent point de vente pour les artisans du Toulé. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient choisi cet endroit-là également. Et donc, lorsque le lac disparaît et qu'ils doivent se trouver un moyen de survivre et de se réorganiser, ils négocient avec les autorités de la ville pour qu'ils leur octroient une parcelle de terre qui va devenir le marché dans le sud de la ville de Mexico. C'est bon ? Oui. Moi, j'aurais peut-être une petite question. Oui. Meubles qui sont oui. vendus. Exactement. Mais là, qui proviennent d'ailleurs. C'était juste un petit éclaircissement. Non. Entre le tissage et les meubles, j'ai peut-être perdu quelque chose. Non, c'est justement le point qui suit. Effectivement, 50% de la population économiquement active maintenant de San Pedro Tultepec se consacre à l'élaboration des objets de meubles et des objets et meubles en bois. Et un des habitants mentionnait, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pêche et donc il n'y a pas non plus de toulé. Et sans toulé, il n'y a pas de tisseur. Et donc, effectivement, la question est de comprendre comment est-ce qu'on peut passer de la production de produits d'artisanat à base de toulé à la production de meubles en bois. Et en fait, c'est au fil des années, au fil des décennies même, des forgerons, des charpentiers s'incorporent pour la production à base de toulé. Par exemple, pour la production de canoës. Et donc, tout le savoir qui est accumulé au fil des décennies, ils vont l'utiliser pour produire dorénavant à partir du bois, puisqu'ils ont des ressources en bois dans cette zone-là, et se recyclent d'une manière ou d'une autre vers la production de meubles en bois sur base de leurs acquis. D'accord. Oui. Et donc, ceci est un élément fondamental, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de rupture brutale dans les pratiques populaires, mais plutôt une capacité des petits producteurs, dans ce cas-ci, à s'adapter aux chocs extérieurs.
Donc c'est un petit peu ce que vous disiez aussi, Nancy, ce matin, cette capacité d'innover. Je pense qu'elle fait vraiment partie, que c'est une des caractéristiques de l'économie populaire, mais également de l'économie sociale et solidaire. Alors, la deuxième illustration, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. La deuxième illustration, c'est le cas de la ville de León. Donc, la ville de León, je vais passer une minute à l'autre diapositive. Donc, on a la ville de Mexico qui se trouve ici et la ville de León qui fait partie de l'état de Guanajuato, qui doit être à peu près à 5-6 heures en voiture de distance. La ville de León est connue de nos jours pour sa fabrication d'articles en cuir, surtout de chaussures, et ce fait est attribué à la crise financière de 1982 et au développement consécutif du secteur informel dans tout le pays, y compris dans cette région. Donc, c'est vraiment l'image qu'il y a actuellement de la ville de León. Dans la littérature plus classique ou vraiment entre les habitants, c'est tant je vous disais que le marché de Vasco de Quiroga ou du Crea est pour les meubles dans la ville de Mexico, tant au niveau du pays, on sait que les chaussures sont produites à León. Donc c'est l'image qu'on a. Nous pouvons mettre en avant trois éléments sur base d'une révision historique de long terme qui permet d'avoir un autre regard sur cette ville et sur ses activités de petite production. Alors, premier élément, la petite production populaire est encastrée dans une réalité sociale, politique, économique et culturelle située. La petite production a été influencée par le fait de se développer dans un État possédant une richesse minière importante et qui attira tant les Espagnols que les habitants d'autres régions du Mexique. Au niveau du contexte de la création de la ville de León, il est intéressant de noter que la région où elle se situe était habitée au moment de la conquête espagnole par des Chichimecas. Là, je voulais juste, à titre d'illustration, une carte qui date de 1550 et qui montre l'étendue donc, de l'empire des Chichimecas. Donc, Guanajuato et León se situent ici. Donc, c'est vraiment au centre du pays, c'était une influence assez importante. Au moment de la conquête de leur région, les Chichimecas ont fui dans la Sierra Gorda et c'est depuis cette zone qu'ils ont résisté aux Espagnols jusqu'en 1594-1598. La ville de León fut créée en 1576 par les Espagnols afin d'exercer un contrepoids à ces attaques. Au XVIe siècle, León connut une croissance démographique significative et devient le premier centre économique de la région. Tant l'exploitation minière que l'augmentation de la population de cette région expliquent la consommation chaque fois plus importante de produits en cuir. Les premiers villages aux alentours de la ville ont été créés dans les endroits où il y avait des puits d'eau qui allaient alimenter toute la ville par la suite. Ces villages connurent beaucoup de problèmes dès les années suivantes vu que les Espagnols de la Villa de León essayèrent de leur quitter les terres en raison donc de ces sources d'eau qui existaient. Il y a eu environ 2 siècles de lutte populaire organisée afin d'obtenir la pleine propriété des terres. Il existe des données dès le XVIe siècle qui démontrent l'importance de la petite production d'articles en laine et en cuir. Et ceci nous amène au deuxième élément que nous pouvons souligner d'une lecture sur une longue période qui met en évidence que l'existence de la petite production date de l'époque coloniale et pas des années 1980, donc comme il est habituellement reconnu. Alors, ce deuxième élément, il s'agit des caractéristiques des acteurs populaires et de leurs pratiques. Donc, un des quartiers les plus connus de cette ville fut créé en 1597, qui est Barrio Arriba, afin d'être habité par les personnes métisses du fait qu'elles ne pouvaient pas vivre avec les Espagnols. Depuis le XVIe siècle, des petits ateliers de tannerie et de production de chaussures y furent créés. On peut ainsi observer dès cette période une spécialisation de la petite production en plus de leur capacité de se mobiliser afin de revendiquer leur territoire, leurs sources d'eau, etc. Dans pratiquement tous les villages et communautés indigènes, il y avait une production surtout pour satisfaire les besoins familiaux. La logique sociale semble donc avoir prédominé dans les régions retirées des centres urbains miniers et ceci est vrai depuis la période précoloniale. Il s'agit ainsi d'une continuité par rapport au siècle passé.
la colonisation n'a pas réussi à mettre fin au mode de production des acteurs populaires. De plus, on voit apparaître ici une continuité au niveau de la production familiale par rapport à l'Empire aztèque et qui existe encore de nos jours. Les pratiques populaires de production de biens étaient organisées autour de la famille. Chaque membre y participait. Ainsi, si les chiffres de 1792 pour la ville font état de 21,3% de la population masculine comme étant composée de petits producteurs et que ces données ne prennent en compte que les hommes, il se blairait plutôt que près de la moitié de la population était des petits producteurs. Tout au long du XIXe siècle, la ville a gardé une structure similaire à celle qui la caractérise depuis ses origines. La production à base de cuir était la principale activité économique et en particulier celle réalisée à domicile. Au début du XXe siècle, la ville de León était connue comme la ville des petits ateliers. La petite production est toujours caractérisée par une production familiale réalisée par des personnes nées dans cette ville, se basant sur une tradition familiale et orientée vers le marché local. Aux alentours de la moitié du XXe siècle, et du fait des conditions du marché, donc on a eu à cette époque-là une campagne pour arrêter d'utiliser le châle, qui est vraiment, de la manière de s'habiller des femmes. Et en plus, il y a l'apparition du pull qui est produit à l'aide de machines et donc qui est beaucoup moins cher que le châle traditionnel produit à la main. On observe une diminution des petits producteurs de textiles et une augmentation des petits producteurs de chaussures. Donc, ils ne laissent pas la petite production, ils y restent, mais ils s'orientent vers des produits plutôt élaborés à base de cuir. Avec la Seconde Guerre mondiale, on note une prolifération des petits ateliers et en 1941, on observe que 93,13% de la population économiquement active travaille dans la petite production d'articles en cuir et textiles. Au niveau des ressources, on peut observer que les petits producteurs ont recours à leur famille, donc les ressources volontaires que je vous ai mentionnées au début. Et au niveau financier, c'est surtout l'épargne propre qui va jouer un rôle important, ainsi que l'aide entre personnes d'une même famille. Le fait que les acteurs de la petite production d'articles en cuir naissent d'une volonté de satisfaire les besoins inscrit ces acteurs dans un processus de mobilisation sociale particulier. Troisième et dernier élément. L'apparition des acteurs de l'économie sociale à partir des pratiques populaires de petite production. Donc, je ne vais pas revenir sur le thème d'économie sociale, Nancy l'a bien développé ce matin, mais c'est un élément important parce qu'on voit comment naissent les activités de l'économie populaire à partir de la colonisation, mais sur une base d'organisation qui est basée sur celle qui était précoloniale. On voit l'évolution au fil des siècles et la consolidation des petits producteurs. Et puis on observe au XVIIIe siècle les bases de l'économie sociale. Donc en 1765, on a la création de la corporation des tanneurs. En 1888, la ville de León connaît la plus grande catastrophe naturelle qu'elle ait connue, c'est une inondation. Et le Conseil général des secours pour les sinistrés est créé afin d'aider les petits producteurs en leur donnant des outils et autres matériels indispensables pour recommencer leurs activités. En 1901, la création du Cercle Léonais Mutualiste par des commerçants et petits producteurs. Et dernier exemple, en 1941, l'Association des petits producteurs afin de favoriser l'exportation. Ces exemples nous permettent d'affirmer que certaines expériences de l'économie sociale et solidaire prennent racine dans l'économie populaire et de là l'intérêt de se pencher sur les réalités historiques de ces acteurs afin de saisir certaines de leurs particularités. Il n'y a donc pas de rupture brutale, mais plutôt une capacité de résister et ou de s'adapter aux chocs extérieurs. Est-ce que ça va, pas de questions? Je passe à la troisième partie de l'exposé. Oui. Attendez le micro. Seulement pour mettre en contexte ce que tu dis, pour que tout le monde comprenne. Pendant 1940 et 1970, c'est la période appelée le miracle mexicain, quand le PIB augmente plus de 6% par année. Alors, peut-être ça nous donne l'idée pourquoi est-ce que la production interne de l'économie populaire fait partie de cette époque. Excuse-moi. Oui, non, merci. Alors,
Oui, bonjour. Victor Montoya, Argentine. Par rapport à cette idée de l'adaptation au choc extérieur, au choc externe, non, et puisqu'on est dans une thématique économique et que vous êtes vous-même économique, dans la discussion économiste, pardon, dans la discussion antérieure, on s'est un peu interrogé sur le rôle de l'économie solidaire. Si ça pouvait être un nouveau modèle ou si c'était tout simplement un complément qui venait un peu réparer les faillites du système. Et on a vu aussi un peu le rôle que devait jouer l'État dans le développement de cette économie et un peu aussi le rôle qu'avait l'environnement, l'écosystème économique. Moi, dans le cas du Mexique, je suis quand même très pessimiste, étant donné la faillite globale de l'État mexicain dans le contrôle de son territoire. Et on voit très bien, par exemple, dans le cas de Veracruz, le poids des cartels. Et lorsque on envisage un peu le rôle de l'institution, des institutions généralement dans le développement économique, donc on a là un premier problème. Et le deuxième problème que je vois, qui est aussi fondamental dans cet aspect des chocs externes, surtout lorsqu'on parle d'agriculture, c'est la question de la rente. Donc une question qui est très connue dans la littérature économique, le syndrome hollandais, surtout que le Mexique a développé ce profil de la rente, qui est un profil triple, qui a à la fois la rente du pétrole, la rente liée au commerce de la drogue et la rente qui est liée aux remessas. Cette année, les remessas pour l'ensemble de l'Amérique latine, on parle quand même de 60-65 milliards de dollars annuels. Donc vraiment, est-ce qu'on peut envisager une activité agricole qui se développe dans ce cadre-là? Je vais vous donner un exemple vers la fin de l'exposé sur un cas qui se développe justement au Chiapas avec des producteurs de café. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais justement, et je pense que si le contexte, et c'est pour ça que je vous ai donné ces quelques éléments au début, c'est justement pour montrer l'importance de savoir qu'il y a cet autre aspect du Mexique aussi, où les habitants... Et c'est de là la volonté de montrer aussi cette partie plus historique, de démontrer qu'il y a cette capacité de s'organiser qui est vraiment, je ne sais pas si c'est le seul moyen, mais c'est vraiment un moyen fort et pertinent d'aller à l'encontre des contextes, des demandes de politique adéquates, etc. Au Mexique, et pour reprendre ce que disait Carlos juste auparavant, en 1957, il y a eu ce miracle économique. Et alors, au moment quand je me suis intéressée pour la première fois au Mexique, c'est quand il y a eu la signature de cet accord de libre-échange, Canada, États-Unis, Mexique. Et j'étais encore étudiante en Belgique et je vais définir mon thème de mémoire en économie. Et depuis là, on était vraiment étonnés de la signature de l'accord, donc je l'ai pris comme thème. Et Jean-Philippe Pémence, qui était mon directeur de mémoire, me disait... Tu dois retracer toute l'histoire des politiques de développement du Mexique depuis le miracle économique pour comprendre qu'il n'y a pas de surprise. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu cette croissance du Mexique, ce boom, et puis la découverte des gisements pétroliers à la fin des années 70, mais qui ont donné un autre contexte au Mexique, qui ont, je ne sais pas si renforcé l'économie populaire, l'économie sociale et solidaire, puisque Nancy, je suis assez d'accord avec elle, c'est plutôt en période de crise que l'économie sociale et solidaire tente à se renforcer. Donc, c'est l'avenir qui le dira, je pense, mais je pense qu'il faut vraiment... C'est justement en partie... Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités dernièrement, mais face à tous ces problèmes de violence, les habitants s'organisent, donc ils cherchent vraiment des moyens de renforcer ces liens sociaux qui, par le marché et pour d'autres raisons, ont plus tendance à se détruire. Donc... Lauren Gregas de l'Ontario. Si vous allez parler de Chiapas, est-ce que ce sont des initiatives qui ont été peut-être la réussite de mouvements zapatistes? Est-ce que ces mouvements-là ont continué depuis, en dépit de réprimation du gouvernement? Comme est-ce que ce sont des restants de...
Non, l'initiative dont je vais vous parler naît un petit peu avant. Ok. Mais c'est sûr qu'il y a un lien ou un autre. Mais ça continue. Depuis, oui. Comme ça existe toujours. Le mouvement, c'est, je sais pas, on a deux autres personnes du Mexique, donc si je me trompe, elles vont sûrement pouvoir me corriger. Mais j'ai l'impression que le mouvement s'est plutôt reconverti d'une manière ou d'une autre. Il a servi d'exemple aussi dans d'autres États du Mexique. Il a été vraiment un bon moyen de mettre en lumière que les personnes peuvent s'organiser et qui sont à l'encontre. Non seulement du gouvernement, mais plutôt de cette politique néolibérale qui détruit. Et est-ce que les stratégies ont changé concernant les réponses du gouvernement ces années-là? Comme est-ce que les habitudes du gouvernement mexicain ont changé après ces années? Comme, est-ce qu'il y a eu des changements dans le pays? Mais je pense comme à cause de peut-être il y avait beaucoup de criticisme au niveau international ces années-là. Est-ce que les habitudes ont changé dans le pays? Comme par rapport à ce mouvement ou... De Carlos, oui, mais après je... Je crois que tu bien résumes toute la vie du Mexique dans ta première phrase. On a des crises qui se succèdent, mais notre volonté il est toujours qui nous maintient vivants. Alors... il y a toujours des problèmes dans la crise pétrolière, la dévaluation continuelle de notre monnaie. Et en plus, faire le territoire de passage de la drogue pour devenir un territoire de vente de drogue aussi. Mais cependant, il y a des mouvements isolés pour rétablir la dignité. Par exemple, San Pedro Garza García, la municipalité la plus riche d'Amérique latine, où vivaient les politiciens, la classe S.A.C. de Monterrey, en plus, les propriétaires de cartels de la drogue. Les gens se sont mis à la tâche de mettre en place des promenades le dimanche pour que les gens puissent sortir encore à la rue. Alors, il y a toujours des stratégies à Chiapas, à Mexico City. Le problème, c'est qu'ils sont des stratégies isolées. Mais toujours, on est vivant et on va en sortir. Bravo. Ok, d'accord, merci. Héros de Charnel, je viens d'Haïti. Merci pour cette présentation qui commence très bien. Et ma question, je ne sais pas si elle est un peu trop pertinente, c'est par rapport au lien avec la francophonie. Je suis maintenant en Mexique, merci pour ce voyage. Mais est-ce qu'il y a une communauté francophone qui développe ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire par rapport aux régions que vous venez de citer, comme Chiapas et autres? Je vais terminer justement l'exposé par une invitation à créer plutôt un réseau de chercheurs sur le thème. Mais bon, pour vous donner une idée, au Mexique, le thème d'économie sociale et solidaire est complètement nouveau. Donc on est le premier centre qui a été créé sur ce thème, alors que c'est une réalité qui regroupe des millions de personnes. Donc c'est un thème nouveau. Je n'ai pas envie de m'avancer sur l'exposé, mais bon, il y a aussi une loi, donc on est dans un processus de construction. Je pense que pour créer un réseau, déjà créer un réseau de chercheurs au niveau du Mexique est un véritable défi. Donc je pense que justement cet espace-ci en particulier, et on en avait parlé avec Flavie et avec Denis en novembre passé, je l'ai vu comme une opportunité justement d'ouvrir... Un nouveau chemin pour qu'on puisse être vraiment ensemble sur ce thème. Et je pense que justement, l'approche internationale et au niveau du continent est fondamentale pour que le Mexique arrive à comprendre que c'est un thème qui est une réalité et pas simplement dans son pays. Donc ça aide beaucoup. On a fait une recherche il n'y a pas longtemps sur le thème des finances solidaires. On a fait une étude comparative entre le Québec,
le Mexique 4 études de cas, le Brésil et l'Uruguay. Et on a présenté cette recherche en avril passé à l'Université ibéro-américaine. Et on a eu vraiment une très bonne réponse même des étudiants. Donc je pense que c'est chaque fois des petits pas qui se créent. Et donc pour qu'il y ait au niveau francophone, il y a une communauté effectivement de francophones au Mexique. Pour résumer la situation, je dirais que ça fait 11 ans que je n'avais pas fait d'exposé en français, donc ça, je crois que ça répond encore plus à ta question. Donc on est un nouveau centre, c'est mon premier exposé à 11 ans en français, donc on est en train de créer tout ça. Et donc moi, le centre a été créé à l'Université ibéro-américaine de Puebla, et depuis août, on fait partie de l'Université ibéro-américaine de la ville de Mexico, et donc on est en train même de créer un petit groupe de personnes qui parlent français et on fait des échanges sur nos différentes recherches. Donc ce sont plus des initiatives personnelles qui nous permettent de commencer à créer des liens à ce niveau-là. Si je me permets d'ajouter, c'est Denis Degagné. Oui, il y a une francophonie, effectivement, au Mexique. Et puis, il y a une histoire aussi de la francophonie. Vous avez du temps à parler à Carlos, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il m'a envoyé de l'information que je vais vous faire suivre sur l'histoire extraordinaire. Mais le centre de la francophonie des Amériques, je l'ai dit à la présentation, la francophonie, ce n'est pas une fin, hein, c'est un moyen. Et dans les contacts qu'on a fait avec le Mexique, d'abord, on a échangé, on a appris beaucoup ensemble. Et le Mexique a demandé d'être en lien avec Haïti, compte tenu des défis qui sont similaires de l'économie informelle, etc. Donc, il y a des liens à faire et on n'est pas dans une francophonie qui est renfermée, mais une francophonie qui est dans un dialogue interculturel, multi... vous voyez, un peu. Donc, c'est un peu dans cette démarche-là qu'on travaille dans les Amériques. Je vais vous inviter à poursuivre parce que je pense que vous avez encore peut-être des exemples à nous donner de cette économie sociale et solidaire qui tire ses racines finalement de l'économie populaire. Hein? Donc, je vais vous laisser compléter. Merci. Je pense qu'il est important de présenter brièvement le concept en lui-même d'économie sociale et solidaire. Donc, on a parlé d'économie sociale ce matin. Nancy a parlé un petit peu d'économie sociale et solidaire, mais je pense que ce serait important de préciser un petit peu ce concept d'économie sociale et solidaire pour pouvoir passer aux illustrations et que vous ayez une base plus théorique avant de passer aux études de cas. Donc, notre objectif est de présenter ici ce concept dans le contexte actuel, ainsi que sa définition et finalement le lien entre économie sociale et solidaire et la reproduction ou non des inégalités en termes de genre. Nous terminerons par quelques illustrations d'expériences de l'économie sociale et solidaire de nos jours. Non, je me suis trompée. Le contexte actuel de l'économie sociale et solidaire. Dans un contexte international de crise, les yeux se sont posés depuis 2 ou 3 décennies sur l'économie sociale et solidaire et ses différentes pratiques qui représentent, pour citer Jean-Philippe Pémence, une volonté de lutter par des formes diverses pour maintenir ou rétablir une dignité de vie. Les populations, abandonnées à elles-mêmes par les élites globalistes de l'accumulation, prennent des initiatives pour survivre, s'organiser, s'entraider, trouver des nouvelles formes de solidarité qui peuvent faire face à la crise sociale structurelle et aux besoins les plus immédiats en termes de santé, logement ou encore alimentation. Les formes d'organisation dominantes de ces initiatives sont des associations, mutuelles ou encore coopératives. Cette approche conceptuelle met en avant comment les processus de construction par des pratiques de la vie quotidienne sont une alternative réelle au modèle néolibéral, une réponse à la crise du modèle capitaliste mis en marge à travers le monde par des millions de personnes, tant au niveau économique, puisqu'il puisse s'agir d'activités de production, consommation, distribution ou finance, ou encore au niveau social, culturel, politique et environnemental. Dans plusieurs pays européens, l'économie sociale et solidaire représente 9% du PIB et près de 10% des emplois, 200 000 entreprises et structures et 2,35 millions de salariés dans ce secteur. Pour le Mexique, nous ne comptons pas encore avec des chiffres spécifiques dans la comptabilité nationale. Cependant, et pour reprendre à Juan José Rojas, qui est un chercheur d'une autre université qui travaille sur ce thème depuis plusieurs années, au Mexique, il est calculé que ce secteur est conformé par environ 50 000 entreprises associatives solidaires qui regroupent un peu plus de 8 millions d'associés qui représentent à leur tour 18% de la population économiquement active.
Au niveau des coopératives, c'est quand même la figure la plus connue au niveau de l'économie sociale et solidaire. Il estime que près de 30% des institutions de l'économie sociale et solidaire sont des coopératives et que ses affiliés représentent 62% des membres de ce type d'organisation. De plus, c'est un des pays au sein duquel, et Nancy l'a aussi mentionné ce matin, on a pu observer un chemin vers l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire avec la loi d'économie sociale et solidaire qui a été votée en 2012 et qui fait partie de l'article 25 de la Constitution, ainsi que du décret qui est passé le 11 juin 2013. Il faut reconnaître cependant qu'au Mexique, un des défis actuels est justement cette institutionnalisation par un cadre juridique propre à ce secteur qui l'articule aux politiques publiques. Nous reviendrons sur ce point dans la dernière partie de l'exposé. Dans un tel contexte, nous considérons comprendre comme objet d'étude l'économie sociale et solidaire est un moyen de reconnaître les multiples pratiques et ses acteurs qui démontrent qu'une autre économie est possible. Il est avant tout nécessaire de reconnaître que les discussions et débats sur les définitions de l'économie sociale et solidaire ne sont pas conclus. Elles continuent à évoluer comme les pratiques elles-mêmes. Les acteurs s'adaptent au contexte et l'économie sociale et solidaire est un de ces témoins. Sa base est l'ensemble des valeurs et principes qui sont orientés à la construction d'une économie centrée sur les personnes, leur développement intégral et l'encouragement aux pratiques de coopération et solidarité au sein de leur communauté. Malgré les différences entre organisations ou entreprises, il existe une coïncidence quant à la valeur de la solidarité. Ainsi, pour que l'économie sociale soit solidaire, parce que ça c'est un point important, parce qu'on fait partie de l'économie sociale, qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, pour que ce soit le cas, les acteurs et leurs pratiques doivent intégrer la solidarité comme valeur qui nous fait nous reconnaître les uns avec les autres et de plus mobiliser des ressources, lesquelles incluent les relations avec d'autres acteurs et mouvements sociaux pour construire un monde plus juste, démocratique et égalitaire. Alors la définition que je vous propose est la suivante. Il s'agit d'un processus géré par des acteurs collectifs, organisations ou entreprises, dont l'objectif est la construction d'une économie centrée sur les personnes qui acquiert les habiletés, capacités et outils pour subordonner et concilier la rentabilité économique à l'utilité sociale. L'économie sociale et solidaire, par le fait d'avoir comme objectif l'être humain, implicitement assume la responsabilité d'améliorer les conditions de vie des personnes qui se trouvent tant en région urbaine que rurale, mais surtout à la population qui vit dans des conditions de plus grands désavantages sociaux, comme c'est le cas pour les femmes. Et ceci nous amène au dernier point au niveau théorique. Il s'agit de l'économie sociale et solidaire et la reproduction ou non de l'inégalité en termes de genre. De manière surprenante, l'économie sociale et solidaire a fort peu été étudiée dans une perspective de genre, quel que soit le continent pris en considération. Nous affirmons que c'est de manière surprenante vu qu'il est reconnu implicitement que les femmes jouent un rôle important dans l'économie sociale et solidaire. Nombreuses sont en effet les initiatives qui naissent grâce à la volonté des femmes. Cependant, si elles sont le centre des activités de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas de reconnaissance de manière égalitaire de leurs capacités et apports. Ainsi, les données en France que rapporte Quartier du Monde sont que, malgré le fait d'avoir 2/3 des postes occupés par des femmes dans l'économie sociale et solidaire, celles-ci sont le plus souvent relayées aux emplois considérés comme peu qualifiés pour reposer sur des qualités perçues comme féminines et naturelles. On peut ainsi affirmer que beaucoup reste à faire quant à l'égalité de genre dans les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas en ajoutant le mot « femme » que l'économie sociale et solidaire sera différente. L'économie sociale et solidaire avec perspective de genre est capitale parce qu'elle propose une façon d'entreprendre solidairement qui provoque des changements systématiques dans la vie des femmes et des hommes, menant à une égalité sociale et économique. L'économie sociale et solidaire avec perspective de genre tient en compte les responsabilités des femmes envers leur famille, comprend un large éventail de services de formation, d'accompagnement et de développement personnel et encourage la participation et le leadership. Oui, j'ai aimé cette phrase. Alors, donc, je vais passer aux trois cas d'illustration que je vous mentionnais. La première, c'est la coopérative des travailleurs démocratiques d'Occident, TRADOC. Ensuite, les communautés paysannes en chemin. Et finalement, Capeltic. Je me dépêche. Donc je vous propose que, de terminer l'exposé. Je vais essayer de terminer ça en 10 minutes et ensuite on passera alors au dernier bloc des questions.
Donc, la coopérative des travailleurs démocratiques d'Occident, TRADOC, a une origine très particulière, puisqu'elle surgit quand la Continental, qui avait acheté en 1998 l'entreprise Euskadi à Carlos Slim, le plus riche du Mexique, présenta un projet ambitieux, totalement néolibéral aux travailleurs d'Euskadi, vu qu'il proposait l'élimination des droits exprimés dans le contrat cadre, l'augmentation de 35% des standards de production sans aucune rétribution supplémentaire aux travailleurs, la réduction du personnel, l'imposition d'un nouveau règlement interne de travail et la disparition de la distribution des profits. Et le message était très clair. Ou le syndicat acceptait son plan de productivité, ou elle fermait son usine. Et le 16 décembre 2001, elle accomplissait sa menace sans affirmer préalablement le syndicat et sans respecter ce qui était établi dans la loi fédérale du travail. C'était une usine. Bon, alors là, ça c'est une bonne question. La Continental, c'est la quatrième entreprise la plus importante au niveau de la production des pneus. Oui. C'est pas des pneus. Oui, ce sont des pneus, oui. Oui. Donc c'était une entreprise importante, mais délocalisée au Mexique. Donc. Alors, le syndicat a commencé une stratégie. Régionale, nationale et internationale afin de lutter contre cette décision de l'entreprise Continental et elle commença une grève le 22 janvier 2002. Elle organisa une caravane qui allait passer par plusieurs États du Mexique et terminer par une manifestation massive à Mexico et en plus un voyage à Hanovre en Allemagne où se trouvait le siège de la Continental afin d'exposer leur mécontentement à l'assemblée des actionnaires de l'entreprise. Toutes ces actions à différents niveaux ont été soutenues, entre autres économiquement, par les familles des travailleurs. À la fin 2004, l'entreprise décida de mettre fin au conflit en offrant l'usine aux quelques 600 travailleurs qui avaient résisté jusqu'à ce moment-là comme paiement des salaires et des prestations des 3 années de grève. Actuellement, la coopérative compte 1050 associés qui perçoivent de bons salaires. Donc, au niveau de la région, les salaires sont plus élevés. Et en plus, ils ont construit un centre sportif. Il y a plusieurs magasins qui offrent des produits de base à bas prix, rien que pour vous citer quelques exemples. Et le plus important, c'est que le conseil d'administration a insisté pour maintenir les caractéristiques héritées au long du conflit, comme la solidarité, en contribuant aux principales luttes ouvrières du pays, en particulier en les soutenant politiquement et économiquement. Deuxième illustration, les communautés paysannes en chemin. Il y a plus de 15 ans, cette organisation qu'on appelle CCC pour ses initiales en espagnol fut créée par des peuples autochtones de 5 ethnies différentes et la diocèse du municipe de Tehuantepec dans le sud du pays, donc c'est à Oaxaca. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le deuxième état avec l'indice de développement humain le plus faible. Donc on a ici Chiapas et juste à côté Oaxaca et l'isthme de Tehuantepec est vraiment tout au sud. Le principal objectif qui a motivé l'apparition de CCC, c'est celui d'améliorer la terre, de créer une agriculture écologique qui permet d'améliorer leur logement, leurs aliments, leur participation et leur environnement et d'y avoir une vie plus digne pour tous les participants. Tous les associés cherchent à améliorer leur environnement et les conditions de vie des personnes pauvres et exclues. Actuellement, ils veulent continuer à renforcer leur projet durable et réussir un marché éthique qui prenne en compte les personnes les plus pauvres. Alors, ils ont commencé leur expérience par la création de magasins communautaires ruraux dirigés à la population à faible revenu. Ces magasins distribuaient les biens de consommation de base et en plus contribuaient à l'échange de produits agricoles générés dans les différentes zones de la région. L'initiative fut constituée légalement en 1995, vu les bons résultats de l'expérience des magasins, par 49 agriculteurs participant à cette initiative diocésaine et ils choisirent comme figure juridique celle de société de solidarité sociale. Le système de production se base sur la tradition des peuples autochtones et le travail est organisé collectivement par la population locale. Ces piliers sont la justice sociale, la transparence, l'honnêteté, le respect et la responsabilité. Au niveau de la prise de décision, il existe une assemblée de délégués qui est intégrée par un associé de chaque communauté. Elle organise une session par mois et c'est à ce moment-là que les décisions se prennent. La production est certifiée bio par Natureland et Certimex, qui est une entreprise organisée par des producteurs mexicains qui participent au commerce équitable. Au niveau de la production, on peut mentionner les produits qui apparaissent sur les photos, l'huile de sésame, des confitures, des sauces à base de piment, mais également des caisses d'épargne communautaire, 17 groupes d'éleveurs écologiques qui regroupent 250 associés, un fonds d'assurance agricole, entre autres.
Et le dernier exemple, Capeltic. Capeltic est un mot tseltal. Capel signifie café. Et tic est un mot qui désigne le nous, le travail collectif, donc de là la traduction à notre café. Au XIXe siècle, la migration allemande amena le grain de café dans les montagnes du Chiapas. Et les populations autochtones de cette région ont été réduites à l'esclavage et obligées à travailler dans les plantations de café des grands propriétaires de terres. C'est à partir de 1970 que le père jésuite Mardonio Morales commença un travail pour organiser la récupération des terres par les peuples autochtones. En 1997, les communautés de Tseltal avaient récupéré 90% de leur territoire. Si bien ils étaient propriétaires de leurs terres, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient toujours pas propriétaires de leurs richesses, vu que les intermédiaires s'appropriaient les profits du fait qu'ils commercialisaient le café. Alors ça, c'est vraiment un fait courant au Mexique, tant au niveau de la production du café que du tabac ou du textile. Les producteurs locaux reçoivent 2 à 3% de la valeur totale du produit. Et donc tout le reste, tous les profits sont aux mains de ces intermédiaires qui sont appelés aussi coyotes. Les producteurs de café ont alors décidé de s'unir et c'est avec l'appui de la mission jésuite de Bachajón, 5 ans plus tard, qu'ils ont formé une coopérative. En plus d'améliorer la qualité du grain de café, la coopérative a commencé à construire une véritable stratégie de commercialisation, entre autres dans les 3 universités jésuites du pays. Donc à Mexico, à l'Université ibéro-américaine de Mexico, celle de Puebla, et à l'Université jésuite de Guadalajara, à l'ITESO, on peut retrouver ces endroits, ces points de vente de ce café. Et c'est une très bonne sensibilisation aux étudiants aussi. Alors, aujourd'hui, il y a 244 producteurs de 65 communautés, 35 travailleurs qui font partie de la coopérative située dans le nord de la Selva, dans l'état de Chiapas. Il faut savoir que cette région compte sur des conditions optimales pour la culture du café de haute qualité. Depuis 2007, ils participent aussi à un programme de commerce équitable. Leur production annuelle tourne autour des 50 tonnes. Ils ont réussi à maintenir un prix fixe de 28 pesos, c'est-à-dire 2,27 dollars canadiens, contre 18 pesos, 1,46 dollars canadiens que payent les intermédiaires actuellement, et peut atteindre jusqu'à plus de 4 dollars canadiens en fonction de la qualité du café. Capeltic se considère une entreprise solidaire vu qu'elle recherche la maximisation du bénéfice social comme détonateur du développement durable de la région de Tseltal. Les profits sont utilisés pour le développement durable et la production agroécologique dans la zone. Donc je vous laisse ici juste à titre d'exemple une des affiches qu'on retrouve dans les points de vente du café. Et on va passer à la dernière partie. Donc, nombreux sont les défis actuels de l'économie sociale et solidaire. J'avoue, et Nancy on a mentionné déjà quelques-uns, et je pense que c'est très bien, parce que j'en reprendrai juste deux qui me semblent les plus importants actuellement, qui est le genre et l'économie sociale et solidaire, et le besoin d'un cadre institutionnel adéquat. Donc, commençons par le défi en termes de genre. Donc, il est indispensable de compter sur des données qui puissent démontrer tant le véritable poids de l'économie sociale et solidaire comme l'égalité ou inégalité apparente en termes de genre. Donc je pense que ce serait un des moyens aussi de démontrer qu'on fait effectivement les choses d'une autre manière. Donc c'est une autre économie, mais ce n'est pas simplement à l'extérieur qu'on doit le montrer, c'est aussi à l'intérieur des propres expériences qu'on doit démontrer qu'on peut faire de l'économie d'une autre manière. Ainsi, au niveau international, on a reconnu que le principal défi de l'économie sociale et solidaire est de diminuer les différences entre le monde masculin et féminin, surtout en ce qui concerne les droits sociaux et politiques. La question qui se pose est celle de savoir quelle est la situation au Mexique d'égalité et inégalité de genre dans l'économie sociale et solidaire. Si, selon les données du rapport 2014 Global Gender Gap, le pays occupe la position 80 sur 142 pays quant à l'inégalité de genre. Dans ce rapport, on peut observer que les plus grandes inégalités apparaissent au niveau de la participation économique entre hommes et femmes. Au niveau politique, les femmes ont aussi un accès plus difficile aux sièges parlementaires. Comme le mentionne le Bureau de recherche en développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement au Mexique, dans son rapport sur les indicateurs de développement humain et genre qui a été publié en décembre 2014, au niveau national, on a pu observer que 23,2% des sièges parlementaires étaient occupés par des femmes et le reste par des hommes. S'il est vrai que depuis 1947, les femmes ont le droit de voter et d'être élues au niveau des élections municipales dans ce pays, et que depuis des espaces de participation politique se sont ouverts pour les femmes, la sous-représentation féminine est encore un fait observable, tout comme celui de compter sur une classe politique mexicaine, en grande partie formée par des hommes, qui ne reconnaît toujours pas que les femmes sont également capables de gouverner, légiférer et rendre justice. En d'autres mots,
Les recherches sur ce secteur doivent se pencher sur la question suivante. Est-ce que l'économie sociale et solidaire au Mexique vit la même situation qu'au niveau économique ou politique, c'est-à-dire sans changement en profondeur, mais seulement superficiel? Deuxième défi. Un cadre institutionnel adéquat. Dans un ouvrage récent, nous avons déjà mis en évidence que tant pour le Mexique comme pour l'Uruguay et le Brésil, un des défis actuels de l'économie sociale et solidaire est le besoin d'institutionnalisation par un cadre juridique propre à l'économie sociale et solidaire, mais également par son articulation aux autres politiques publiques, ainsi que la révision de la législation existante dans ces trois pays. Cependant, il manque une définition claire de ce que la loi comprend par économie sociale et solidaire, qui impliquerait de surcroît prendre position face aux définitions reconnues au niveau mondial et ainsi assurer une comparaison entre pays. Ces définitions sont également indispensables pour atteindre les objectifs de la propre loi. En effet, comment renforcer le secteur si on ne définit pas ce qu'il représente? Il est de plus difficile de comprendre pourquoi le titre de la loi comprend les mots « économie sociale et solidaire » alors que son contenu porte sur le secteur social de l'économie et ne mentionne à aucun moment l'économie sociale et solidaire. Comme nous l'avons vu dans cet exposé, il est important de reconnaître la diversité des acteurs, leurs modes d'organisation, leurs ressources et leurs activités. La reconnaissance des différents acteurs de l'économie sociale et solidaire est également un élément fondamental vu qu'il n'existe pas de figure juridique appropriée aux organisations de ce tiers secteur. Finalement, cette définition devra aussi reconnaître le caractère historique de l'économie sociale et solidaire dans ce pays, vu qu'elle n'est pas une réalité nouvelle, mais bien un secteur qui a joué un rôle important au cours de l'histoire et qui s'est adapté au contexte de chaque époque. Si le concept n'apparaît pas clairement dans l'article 25 de la Constitution, l'économie sociale et solidaire continuera à être invisible au niveau des politiques publiques nationales. Il est également dommage que cette loi n'ait pas mentionné l'urgence de compter sur les statistiques nationales afin de mesurer l'ampleur de l'économie sociale et solidaire. Et de plus, et en relation directe avec cet argument, il est important que les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'unissent. Donc au Mexique, et comme dans plusieurs autres pays malheureusement, chaque acteur pense qu'il est différent et préfère travailler de manière un peu isolée, alors qu'il faudrait quand même trouver des bases communes pour pouvoir travailler ensemble. Sans cette force que le mouvement pourrait acquérir, il semble presque impensable de réussir une révision des cadres juridiques existants, vu que, comme le constatent également d'autres auteurs, le défi le plus important consiste à être capable d'avancer vers des plus grands niveaux d'intégration et action unitaire en se convertissant en un véritable sujet ou acteur collectif, avec des intérêts et demandes propres, et avec une capacité d'incidence et interlocution face aux différents espaces de pouvoir d'où se définissent les politiques publiques. Et pour terminer, je vous propose ce qui suit. Donc, que cet espace nous permette de créer des liens entre chercheurs et de mener des études comparatives qui nous permettent, d'une part, de mettre en avant la capacité des femmes à résister autrement. Pour reprendre les paroles de Michael Jean à New York le 6 mars dernier, les femmes résistent par la volonté, le courage, la raison et la mobilisation constructive de leurs forces. Les femmes sont bâtisseuses et dans tous leurs combats, elles ont toujours à l'esprit l'intérêt général, le bien commun, le projet collectif. Il n'y a pas de véritable démocratie possible sans représentation des femmes au sein des collectivités locales, au sein des parlements, au sein des gouvernements ou à la recherche suprême. Et d'autre part, de contribuer à démontrer les relations entre la langue française, les valeurs de la solidarité qu'elle porte et l'économie, en mettant en avant dans nos recherches les multiples visages d'une économie inclusive qui vise la réduction des inégalités sociales ainsi que la responsabilité sociale et environnementale des acteurs économiques. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour ces exemples, donc ce lien entre économie populaire maintenant vers l'économie sociale et solidaire avec des exemples concrets et des pistes à suivre pour la suite du processus dans cette question-là du genre, de la francophonie, des liens à tisser, du travail ensemble. Donc c'est très très stimulant. Il nous reste 15 minutes pour des questions. Oui, on va passer à une première question. Voilà, moi c'est Yannick Naré, je viens de New York. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de Leïla. Je la remercie beaucoup pour l'éclairage qu'elle nous a apporté par rapport
à l'économie populaire au Mexique. Mais avant de poser ma question, qui est d'ailleurs toute simple, je vais me permettre de faire une petite digression. En ce qui nous concerne au niveau de la francophonie institutionnelle, nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur l'adhésion du Mexique en novembre dernier dans l'Organisation internationale de la francophonie au statut de membre observateur. Et nous savons aussi que lors de ce sommet, les chefs d'État ont adopté une stratégie économique pour la francophonie. Et avec ce que je viens de voir, je pense que ça va permettre d'apporter une autre dimension à la francophonie économique. Et ma question maintenant, c'est de... Je ne sais pas si cela m'a échappé entre-temps, parce que j'étais sorti, je m'en excuse. Et est-ce qu'il y a des données quantitatives par rapport à la part de l'économie populaire dans l'économie nationale mexicaine? Je sais que vous avez pris l'exemple de la ville de León par rapport à la fabrication d'articles en cuir. Mais est-ce que si on veut se permettre une certaine généralisation, quelle est la part de l'économie populaire? Un mot d'ailleurs que j'apprécie beaucoup par rapport à l'économie souterraine ou autre. Merci. C'est une excellente question et c'est vraiment un des combats qu'on a au niveau du centre. Donc on a vraiment l'idée du centre est de... Donc on a parlé avec déjà le CIRIEC, qui est une organisation importante au niveau de l'économie sociale en Espagne, qui ont eux réalisé le livre blanc là-bas. Donc on aimerait bien travailler en collaboration avec eux, avec d'autres chercheurs de l'université ibéro-américaine, mais on a besoin de la participation du gouvernement pour le recueil des données. Donc c'est un projet parce qu'il n'y a pas de données. Donc c'est vraiment au niveau de la petite production de Léon, ce que j'ai dû faire, c'est un parcours des différents recensements. Et comme j'avais pu observer donc, dans tout ce qui était texte plutôt descriptif qu'il s'agissait de petits ateliers au niveau de des familles, là, j'ai pu, sans vraiment me tromper, au niveau des recensements, voir la taille des ateliers de petite production pour les objets en cuir et en textile, et de là, effectivement, déduire plus ou moins le poids de cette économie populaire dans cette ville. C'est plus difficile pour d'autres secteurs de production et pour d'autres villes. Donc, on ne pourrait pas se limiter simplement à la taille de l'activité. Dans ce cas-là, oui, pour toute la description qu'il y a au niveau des différents textes, mais c'est pratiquement impossible au niveau d'autres secteurs ou d'autres États. Et un autre problème, c'est au niveau, et ça je l'ai mentionné vers la fin, des statuts juridiques. Donc on pourrait dire, on pourrait compter le nombre de coopératives, etc. Mais comme il n'y a pas de figure juridique adéquate, on ne peut pas non plus choisir cet axe-là. Donc c'est un des thèmes. Nancy le mentionnait aussi que c'est vraiment... un des gros problèmes dans d'autres pays. Donc, à suivre. Marilyn Gauvreau du Nouveau-Brunswick. D'abord, toutes mes félicitations pour votre présentation. On a vu vraiment les liens qui unissent les espaces culturels, économiques et des savoirs. Et puis, je dois avouer que vous m'avez plongé dans des réflexions profondes. Et j'avais beaucoup en tête l'œuvre du philosophe sociologue Ivan Illich. Je ne sais pas si vous connaissez, il a fondé le Centre interculturel de la documentation à Cuernavaca dans les années 60. Mm-hmm. Et puis, c'était quelqu'un qui a beaucoup valorisé la conscientisation, l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire. Et puis, je me demandais quel a été l'impact de cet espace des savoirs sur l'économie sociale et solidaire au Mexique. Est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques par la suite? Parce que là, j'ai appris que le SIDA, qui était devenu maintenant un institut de langage, elle a un peu changé de vocation ou de mission. Mais je crois qu'il peut y avoir une certaine continuité depuis les années 60 à travers cette initiative-là. Je pense qu'il a mis le terme en exergue dans certaines régions du pays. C'est une initiative qui est importante et je pense que toutes les initiatives qui permettent de faire parler du thème laissent une trace. Je ne sais pas si... Mm-hmm. Mm-hmm. Bonjour, c'est Justine Mal...
excusez-moi. C'est Justine Malleux de la Colombie-Britannique. Merci d'abord encore une fois de votre intervention et ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer il y a 2 heures, rencontrer hier. Donc ma question, c'est que vous avez dit que l'un des défis de l'économie sociale et solidaire, c'est le manque de la reconnaissance d'une base commune, des acteurs. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait renforcer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renforcer cet intérêt commun et créer une base commune aussi ? Voilà. Je pense que le défi est entre les acteurs de trouver un point commun. Il y a eu un cas, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas de Ficrea, Carlos. Le cas de Ficrea, vous en avez entendu parler au Mexique, de Ficrea. Ficrea, c'est le bâtiment qui est à côté de Talca. Non, il y a eu une caisse populaire, dite populaire, qui a... qui a réuni plusieurs millions de pesos et qui était en fait une fausse caisse populaire, mais qui utilisait... Ficrea. Qui a utilisé la figure juridique de caisse populaire. Et le cas est mis en avant dans la presse, etc. Et du coup, c'est toutes les caisses populaires qui sont jugées comme étant frauduleuses. Et de là qu'en 4 mois, il y a une décision de reformuler la loi sur le crédit et l'épargne populaire. Donc pour un seul cas, avec seulement 6 000 associés, et quand le secteur de l'épargne populaire représente des millions de personnes. Et qui, la loi allait avoir réellement des effets encore plus négatifs sur le secteur que ce qu'elle est actuellement. Et donc, sur cette base-là, les autres caisses d'épargne se sont mobilisées et ont réussi à empêcher que la loi soit votée. Donc, je pense que c'est cette union, cette reconnaissance de dire nous on ne fait pas partie de ces expériences-là et on va défendre nos membres et on va défendre nos valeurs. Et je pense que c'est simplement dans ces cas-là, depuis les acteurs, qu'on va pouvoir progresser. Et si ils ont réussi à le faire pour cette loi, on peut même rêver qu'au niveau de la loi d'économie sociale et solidaire, on pourrait avoir, parce que ce ne serait pas simplement le secteur de l'épargne et du crédit populaire, ce serait vraiment tous les différents secteurs qui seraient affectés et qui pourraient faire... réactionner le gouvernement et qu'il y ait un changement positif au niveau de la loi. Donc, c'est vraiment depuis les acteurs qu'il faut qu'il y ait un point d'identité en commun. Mm-hmm. C'est à moi. Evelyne, du Mexique. Et voilà. Et, j'ai perdu. Oui, je voulais juste... je m'entends bien, oui. Et partager avec vous ce que j'ai vu quand... Je viens de Puebla, mais quand je fais des voyages au Chiapas, je vois des gens s'organiser, et quand je demande ce qu'ils font, ils me disent on est en train de faire les coopératives. Mm-hmm. Et en fait, quand ils me racontent ce qu'ils font, ben voilà, je trouve les caractéristiques que tout à l'heure Madame Nancy n'entend. Elle nous a parlé de ça. Ce sont des coopératives dont l'État n'intervient pas, elles sont démocratiques. C'était quoi l'autre? C'est l'action des citoyens. Ils font des actions, ils sont gérés par et pour les citoyens, en faveur de l'économie. Et ces coopératives n'ont pas de propriétaires. Alors, même si le terme est... Même si le nom pas économie sociale et solidaire, mais ils le font déjà depuis longtemps et ça marche bien. Et c'est, toujours, c'est surtout dans le secteur d'artisanat. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. D'accord. Alors, salut les Amériques francophones.
Et, madame, c'est, ma question est un peu simple. C'est à propos de, d'une qualification, quoi, d'une caractéristique exacte de cette économie que vous venez de décrire. Est-ce que cette économie, je redoute à l'appeler ESS, c'est-à-dire économie solidaire et sociale, est-ce que cette économie décrite est solidaire ou solidaire et sociale ou populaire ou encore sociale, solidaire et populaire? Je vous l'ai dit, les débats continueront sur les définitions. C'est vraiment, on a vraiment une large gamme de termes. C'est vraiment, c'est un petit peu aussi quand on reprend le terme de développement. On a le développement humain, développement économique, développement durable. Donc on aime bien apparemment ajouter des adjectifs. Donc, mais je pense que celui d'économie sociale et solidaire me semble le plus adéquat actuellement. Donc c'est vrai que si on a cette économie populaire qui est la base, actuellement je pense qu'on peut parler d'économie sociale. Et dans certains cas, d'économie sociale et solidaire. Donc moi, je pense que ce serait la terminologie correcte. Oui, bonjour, Alejandra Amaya, je viens de l'Honduras. Je voulais juste remercier au Centre de la Francophonie parce qu'ils ont donné un regard latino-américain à cet important événement international. Et pour nous, c'est certainement quelque chose qui donne, plutôt que la diversité, et il donne aussi le regard d'inclusion et que nous sommes toutes une communauté. Et d'un autre côté, je voulais vous demander, nous sommes ici deux personnes de l'Honduras et nous sommes membres de l'association des profs et des professeurs, excusez-moi. Et je suis intéressée à savoir quelle connexion pourrait exister entre le Mexique et le Honduras pour faire des efforts et des liens. Nous comptons jusqu'à aujourd'hui avec un suivi et une communication très proche avec les centres et ça nous a donné la force pour avoir les connaissances de ces sujets. Et je pense que parfois c'est important aussi de nous unir entre nous parce que tout votre exposé a été très utile pour nous. Donc, si vous avez des idées, comptez à nous. Merci. Et voilà. Merci, Alejandra. Alors, Léla, merci. Ça m'a ouvert un regard très intéressant pour moi, personnellement, de cette situation mexicaine. Et je vois tellement de proximité avec celle que je vis, moi, au quotidien. Bon. Dans notre contexte actuel de nos États respectifs, là, où il y a cette chute de la logique du travail stable, durable, le sous-emploi, c'est devenu la règle, la loi des sous-traitances au Brésil passe à une vitesse incroyable, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Là, quand on voit cette possibilité de l'économie solidaire, et j'essaye de faire un lien, comme il l'avait demandé, là, mon collègue devant, un lien avec la question francophone et notre rôle à nous, dans mon cas de formatrice et enseignante de français. Alors, j'essayais de tisser un lien, et plutôt, j'aimerais savoir si vous voyez des perspectives là, plutôt associative de formation qui aide ces communautés et ces initiatives d'économie solidaire avec l'appui francophone dans nos régions à nous pour s'en sortir, pour se développer, pour faire tisser des liens avec la francophonie, quoi. Je ne sais pas si la question est très claire parce que même dans ma tête, elle n'est pas très claire. Ok, merci. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble.
Donc la première chose, c'est ne pas perdre contact, donc avoir nos courriels, réfléchir et ne pas laisser passer trop de temps, parce que sinon après il y aura d'autres priorités. Mais c'est vrai que là, ça serait vraiment un rôle important et s'appuyer sur Denis, Flavie. Mm-hmm. J'avais quand même une autre remarque à faire, d'un espace peut-être, c'est un espace. Il y aurait peut-être un espace aussi pour nous, en tant que personnes qui pensons, réfléchissons, qui produisons des textes, qui œuvrons socialement. Il y a des revues qui sont destinées à la francophonie. Là, je vous cite particulièrement le cas maintenant de la revue Synergie Brésil, qui va lancer un appel d'offres là, pour des numéros. On est un peu en retard. Alors, je vous inviterai à nous proposer des questions écrites, des questions comme ça, développées en langue française. C'est déjà un espace francophone de diffusion pour nos difficultés, pour nos questions, nos recherches, quoi. Alors, je vous invite tous à proposer. Il y a un appel d'offres permanent. C'est un espace quand même. Je vous laisse l'invitation. Merci. Voilà, alors ça termine cette séance très, très stimulante. Merci beaucoup, Léla, au nom du comité organisateur et scientifique. Voilà un petit présent. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Merci.